Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous rencontrer ce midi, le 23 septembre, pour vous présenter la toute nouvelle carte narrative sur la rivière Saint-Charles et son bassin versant. En fait, pour vous mettre un peu dans le contexte, Agiro a pris sur. Excusez-moi. Agiro tente de communiquer de plus en plus les informations relatives à la qualité d'eau, des concepts, mais aussi sur l'histoire du bassin versant de l'ensemble de la rivière Saint-Charles. Et on a tenté de découper le territoire dans les différents sous-bassins versants comme la rivière Neltsen, la rivière Jaune, la rivière des Hurons, le lac Beauport, le lac Saint-Charles, le lac Durand, le lac de l'Age. Et au fur et à mesure que nous avançons dans la documentation de ces sous-bassins versants, on présente les cartes narratives qui sont ensuite accessibles dans le cadre, via le site web d'Agiro. Donc, il y a l'onglet, c'est agiro.org. Dans l'onglet Apprendre, vous trouverez l'accès aux cartes narratives des différentes cours d'eau et sous-bassins versants qu'on traite. Et aujourd'hui, on vous présente la toute nouvelle carte narrative qui sera sur notre site web à la fin de la conférence sur la rivière Saint-Charles et son bassin versant. Je vais vous présenter cette carte narrative, les grandes lignes du contenu dans la prochaine demi-heure. Et ensuite, on aura le temps pour répondre à quelques questions et commentaires de votre part que je vous invite de mettre dans le chat. Je me présente, je suis Sonia Bémel, je suis coordonnatrice scientifique chez Agiro. Je suis également professeure associée à l'INRS et l'Université Laval, PDG de Watershed Monitoring, et je suis également membre de plusieurs associations de lacs, autant les petits lacs que des grandes associations à l'international. Donc, la rivière Saint-Charles, d'abord, je vais vous faire un petit peu un plan de la présentation. Donc, on va évidemment parler de la situation géographique. On va retourner dans l'histoire. On va parler de l'occupation du territoire. On va également parler des activités récréatives dans le bassin versant, les principaux barrages, la qualité de l'eau, les risques d'inondation. Et on va terminer également avec l'élément, qu'est-ce que vous pouvez faire pour protéger cette magnifique rivière qui on appelle aussi la rivière des 1000 détours. Donc, en fait, pour vous situer, le bassin versant de la rivière Saint-Charles, je vais faire un petit zoom pour vous montrer tout ce qui est possible après de comment naviguer dans la carte narrative. Donc, il faut comprendre que l'ensemble du bassin versant de la rivière Saint-Charles, c'est 550 km². Donc, parmi les bassins versants du Québec, où ce qu'on a 40 bassins versants prioritaires, c'est relativement un territoire relativement petit. Mais en même temps, c'est aussi un territoire qui est très hétérogène. Donc, dans le nord du lac Saint-Charles, du bassin versant de la rivière des Hurons, c'est très forestier, il y a beaucoup de villégiature. Et plus qu'on descend vers le bassin versant, plus qu'on a la densification des secteurs d'habitation comme à Val-Bélair, comme dans le côté secteur de Beauport, Charlebourg. Et on a également plusieurs secteurs dans le bassin versant qui sont fortement industrialisés. Donc, toutes les activités anthropiques se concentrent alentour des rivières. Donc, on est capable vraiment de faire une cartographie du développement humain alentour de ces rivières-là. Donc, la rivière Saint-Charles, qu'on voit ici, elle prend sa source dans le lac Saint-Charles et est alimentée par la rivière Jaune, alimentée par la rivière Nelson qui passe dans le secteur de Val-Bélair, est également alimentée par le ruisseau. On dit ici la communication semble être interrompue. Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que vous m'entendez bien? On n'a pas d'autres commentaires, donc je vais continuer. N'hésitez pas à me le communiquer s'il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas. Donc, on a également la rivière. Parfait, merci. Donc, on a également la rivière Lorette qui se verse dans la rivière Saint-Charles, la Duberger, et sans compter les nombreux petits affluents de part et d'autre de ces rivières-là.
Ce qu'on oublie souvent, c'est que la rivière Saint-Charles, quoi qu'elle soit alimentée par le lac Saint-Charles, elle va quand même prendre beaucoup de, prend de l'eau du bassin versant de la rivière du Huron, donc toute la rivière du Huron, où ce qu'on a plusieurs rivières qui alimentent également la rivière du Huron. Donc, on voit que c'est un système complexe. Et la raison pourquoi qu'on le présente de cette façon-là, c'est qu'il faut comprendre que la goutte d'eau ici, à l'exutoire de la rivière Saint-Charles, qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent, elle est impactée par l'ensemble des activités anthropiques à partir de la première goutte d'eau qui tombe dans le bassin versant jusqu'à celle-là qui arrive vers la fin. Donc, le lac Saint-Charles, le bassin versant de la rivière Saint-Charles est aussi important parce que à peu près à la moitié de son bassin versant, ici où ce qui se trouve la goutte d'eau, il y a la principale prise d'eau potable de la ville de Québec. Donc, on prélève l'eau ici à l'UTE de Québec, aussi appelée Château d'eau, pour plus que 300 000 personnes de la ville de Québec. Pourquoi qu'elle prend une si grande importance, cette prise d'eau-là? C'est pas juste parce qu'elle alimente plus que 50 % de la population, mais également parce que c'est notre première prise d'eau potable une fois que la ville de Québec a décidé d'alimenter sa population avec l'eau potable directement, parce que c'était rendu intenable d'alimenter la population avec les rivières de proximité parce qu'il était rendu trop contaminé. Donc, on a installé ici la première prise d'eau et on a envoyé avec des tuyaux par gravité les eaux à la ville de Québec. Puis, on avait conçu le système de façon à ce qu'il y avait assez de gravité, assez de pression pour que l'eau pouvait même remonter sur le promontoire de la ville de Québec. Donc, ça donne vraiment un avantage à la ville de Québec pour tout le monde d'avoir ce type de système-là qui fonctionne en grande partie par alimentation d'eau en gravité. Ça diminue les coûts, énormément les coûts de distribution d'eau potable. Donc, les autres sources d'eau potable que la ville a sont les rivières Montmorency, Beauport, il y a quelques eaux souterraines de Val-Belair et également le fleuve Saint-Laurent qui alimente les parties, entre autres, de Sainte-Foy, mais avec, dans ce cas-ci, spécifiquement avec ce 20 % %-là de Sainte-Foy, avec le désavantage qu'il faut pomper l'eau en hauteur. Donc, c'est pour ça que la raison d'être de cette principale prise d'eau potable-là, c'est que ça diminue, non seulement ça alimente énormément de personnes, mais en même temps, ça réduit les coûts de distribution de manière importante. Donc, si on regarde la prise d'eau potable en vue de haut, on voit ici Château d'eau, on a l'usine de traitement d'eau potable, donc c'est des places qui pouvaient éventuellement aller faire visiter. Ce qu'on trouve aussi dans les cartes narratives, c'est des petites vidéos supplémentaires qu'on vous invite d'aller visionner qui expliquent davantage des différentes informations relativement à la production d'eau potable par rapport à la façon dont on tente de gérer. Parce que l'objectif ici, c'est qu'on veut pouvoir, la goutte d'eau qui arrive ici à l'usine de traitement d'eau potable, soit de la meilleure qualité qui soit, pour ne pas avoir à augmenter les capacités de production d'eau potable. Parce que quand je vous disais tout à l'heure, on a établi l'usine de la prise d'eau potable dans les années 30 à cet endroit ici, excusez, dans les années 50, 1850, qu'on a établi la prise d'eau potable à Château d'eau, c'est parce que la qualité d'eau, la proximité de la ville était rendue trop mauvaise pour pouvoir alimenter la population. Donc, on avait un vecteur de propagation de maladies qui venait avec une eau non salubre. Cette eau-là, en 1853, était de si bonne qualité à cet endroit-là qu'on n'avait pas besoin de la traiter. En fait, on a commencé à la traiter dans les années 1910 et le maire Drouin de l'époque disait que la qualité de l'eau à la prise d'eau est rendu délétère à cause des activités anthropiques dans le territoire. Donc, ça fait déjà plus que 100 ans qu'on sait que l'activité anthropique détériore la qualité de l'eau, mais la réaction à l'époque était moins la protection de la source que le traitement de l'eau. Donc, on a commencé avec des premières installations de chloration et en mettant en place dans les années 50, une usine de traitement d'eau potable plutôt sophistiquée qui a été rehaussée dans les années 2000. Mais néanmoins,
Malgré ce qu'on peut dire, c'est que les usines de traitement d'eau potable vont produire une eau de meilleure qualité si l'eau à la source est de bonne qualité. Avant d'aller dans l'occupation du territoire, je veux retourner un petit peu dans l'histoire. Il y avait la partie de l'histoire que c'est une prise d'eau depuis 1853, mais la partie de l'histoire qu'on connaît un peu moins, c'est que la rivière Saint-Charles avait tout un autre nom, beaucoup plus poétique, beaucoup plus beau à mon sens que la rivière Saint-Charles. C'était vraiment la rivière Kabir-Kouba, la rivière aux mille détours. Et pour ceux et celles qui ont déjà fait qui sont allés à la hauteur de Canot Légaré ou qui sont montés la rivière Saint-Charles ou qui sont à partir du lac Saint-Charles descendus de la rivière, ils sont capables de vraiment apprécier cette nomenclature parce qu'on dirait qu'on arrive quasiment sur l'Amazone en pleine ville. Alors, c'est un endroit qui est magnifique et tout le chemin de l'eau que je vous ai montré tout à l'heure de la rivière du fleuve Saint-Laurent montant la rivière Saint-Charles, passant par le lac et en montant la rivière du Huron, était aussi le chemin pour les Amérindiens vers le nord, vers le Saguenay-Lac Saint-Jean. Donc, on se rappelle aussi que les lacs et les rivières ont toujours été les chemins, autant pour les Amérindiens que pour les premiers explorateurs qui sont venus au Canada de explorer le territoire. Un élément qui est assez particulier quand on regarde la ville de Québec en termes d'historique, c'est que excusez-moi, c'est quand Jacques Cartier est arrivé au tout début à Québec, l'embouchure de la rivière Saint-Charles était tellement large qu'il pensait que c'était ça la continuation de du fleuve Saint-Laurent plutôt que le fleuve Saint-Laurent lui-même. La raison pour laquelle qu'on n'est plus capable de s'imaginer ça aujourd'hui, c'est qu'on a fait énormément de développement avec les chantiers navals et le commerce du bois qui a amené dans de plus en plus de remblais de part et d'autre de la rivière Saint-Charles et aujourd'hui, ça devient plutôt difficile à s'imaginer. Donc, je vous invite de parcourir cette histoire-là dans la carte narrative après la présentation encore plus parce que vous allez voir comment que cette rivière a été exploitée, utilisée, exploitée et ultimement, quels étaient les défis aussi pour les générations d'aujourd'hui de la protéger, de la restaurer, puis de la ramener à une qualité d'eau, qui est acceptable autant pour l'humain que pour les utilisateurs. Donc, vous allez trouver dans cette partie de la carte narrative aussi toute l'histoire sur la production de l'eau potable, les premières usines de traitement d'eau potable, pour nous amener vers à notre présent d'aujourd'hui, l'occupation du sol dans le bassin versant. Maintenant, jusqu'à date, j'ai parlé surtout du bassin versant de la rivière Saint-Charles au complet, donc à partir de la prise d'eau potable jusqu'à le Vieux-Québec. Mais maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur qu'est-ce qui se passe dans le bassin versant de la prise d'eau potable. Je veux remettre l'emphase là-dessus, c'est que si on a amené la prise d'eau potable ici en 1853, c'est pour protéger les humains par rapport à avoir accès à une eau potable saine pour protéger la santé publique. La deuxième raison pourquoi on a amené de l'eau à la ville, c'est aussi pour avoir suffisamment de pression d'eau pour éteindre les feux. C'est un élément aussi qu'on oublie souvent. Mais la partie qu'on oublie le plus de nos jours, c'est que on doit absolument s'assurer que malgré nos technologies de traitement d'eau, on doit absolument s'assurer que l'eau à l'entrée de l'usine est de très bonne qualité. Mais c'est un peu l'élément qui a été délaissé et la façon dont on peut l'observer, c'est qu'il y a un développement, une pression humaine très très forte sur le bassin versant. Donc si on commence de l'aval vers l'amont, le secteur de Val-Bélair, depuis les fusions municipales notamment, s'est agrandi. Si vous allez dans le secteur, vous allez voir qu'il y a énormément de développement de quartiers de maisons unifamiliales, mais aussi maintenant de plus en plus de blocs appartements.
Les quartiers industriels sont en train de se développer. Donc, le fait qu'on augmente ici la pression, ça a comme deux effets directs sur l'eau à l'UTE de Québec. Le premier effet qu'on mesure dans les résultats de la qualité de l'eau, c'est une augmentation importante des sels de voirie. Il y a d'autres cartes narratives qui parlent des sels de voirie. Ils ont un impact sur la qualité de l'eau, sur la capacité de l'eau de se régénérer. Et ultimement aussi, ils ont un effet corrosif sur le réseau de distribution. Donc, on a un effet délétère juste par les sels de voirie sur la qualité de l'eau à l'eau brute, mais aussi sur les infrastructures de distribution. Les autres secteurs où ce qu'on a énormément de développement de la sorte, c'est évidemment le secteur tout au long de la rivière Saint-Charles jusqu'au lac, dans le secteur Beauport. Et plus qu'on va vers l'amont, on va avoir des pressions qui sont plus de l'ordre de développement de terrains de golf, les centres de ski, les centres excusez-moi, les sentiers, les différents sentiers, plus les sentiers illicites des VTT qu'on peut observer qui passent souvent dans les milieux humides à proximité du lac Saint-Charles. Mais somme toute, c'est vraiment la pression anthropique et en partie aussi la déforestation qui a lieu dans le haut du bassin versant qui nous font en sorte qu'on a un effet négatif sur la qualité de l'eau. Et on a aussi de manière. On a aussi, par rapport à ce développement-là, deux effets négatifs sur la quantité d'eau. Le premier effet négatif sur la quantité d'eau, c'est celle-là qu'on subit régulièrement, c'est le risque d'inondation. On va y arriver tout à l'heure par rapport au risque d'inondation. Vous connaissez le concept, plus qu'on développe, plus qu'on imperméabilise, moins l'eau peut s'infiltrer et plus l'eau va aller passer tout droit. Donc, ils vont aller plus rapidement dans les rivières et c'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile pour les autorités de prévoir et prédire les inondations parce que la vitesse de ruissellement est de plus en plus importante avec chaque avancement dans l'imperméabilisation des sols. L'autre effet délétère qui vient avec ça, c'est que quand on a inondation, ça veut dire aussi c'est qu'on lessive les terrains qui sont inondés. Donc, il faut imaginer des garages, les cours, les commerces. Donc, tout ça, c'est comme une théière, si on veut, de contaminants qui se rend ensuite à l'usine de traitement d'eau potable. Donc, on a cet effet-là double quand on fait du développement, l'imperméabilisation sur la quantité et la qualité de l'eau. Et ultimement, on va également avoir un autre effet qui est un peu moins connu, mais qu'on vit de plus en plus. C'est-à-dire que je vais tenter de zoomer un peu sur la carte. Oups. Excusez-moi. Dans le cas, je vais plutôt pointer. C'est qu'il faut que vous imaginez que si vous avez ici, à l'entour d'une rivière, peu importe où ce qu'on est, on a de plus en plus de maisons, on se bâtit de plus en plus proche de la rivière. On dit, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières dizaines, voire centaines de mètres de part et d'autre d'une rivière, c'est le lit de la rivière à proprement dit. On dit souvent la rivière sort de son lit, mais si on regarde des cartes satellites, on est capable de voir que le lit de la rivière est beaucoup plus large de qu'est-ce que l'humain est capable de percevoir. Donc, on parle de dizaines, cinquantaines, voire des centaines de mètres de lits de rivière, mais qui sont aussi ce qu'on appelle des zones riparienne, c'est-à-dire les zones où ce que l'eau peut être conservée à partir d'une grosse pluie. Donc, cette eau-là, des pluies, va être infiltrée, va être absorbée par ces zones-là et ça sert d'une part comme zone d'éponge pour éviter, réduire le risque d'inondation, mais aussi en temps de très grande sécheresse, ces zones-là sont capables de redonner l'eau à la rivière. Donc, on aura moins de problèmes de quantité d'eau aussi dans les longues périodes d'étiage comme celle-là qu'on a connue au mois d'août. Ce qui nous amène aussi à un élément
par rapport à la distribution d'eau potable, la ville de Québec, vous avez tous vu les avis sur la réduction de consommation d'eau cet été. C'est parce que les rivières qui alimentent en amont de la prise d'eau potable, la prise d'eau potable comme la rivière Nelson, la rivière Jaune, les parties d'eau sont déjà tellement imperméabilisées que l'eau qui arrive après une pluie, elle passe tout droit. On ne peut pas la conserver, on ne peut pas la stocker, il n'y a pas de réservoir d'eau, puis il n'y a pas de place pour le faire. Et on a amputé, si vous permettez l'expression, les réserves d'eau dans les zones riparienne de ces rivières-là. Donc, on doit nécessairement se rabattre sur le lac Saint-Charles qui a été conçu avec deux barrages comme un réservoir d'eau. Mais encore une fois, c'est une réserve d'eau qui n'est pas infinie. Elle est finie parce qu'elle est alimentée aussi par une rivière. Et on ne peut pas, on ne peut pas conserver l'eau éternellement dans ce lac-là parce que sinon, on risque aussi d'inonder toutes les habitations alentour et en amont. Donc, ça devient une gestion très fragile entre consommation, demande et l'eau qui arrive pour protéger les gens autant des inondations que que manque d'eau potable. Ce qui nous amène au concept de la gestion de toute cette rivière-là par les barrages. Si on regarde, en fait, le titre de cette section-là, c'est les principaux barrages sur la rivière Saint-Charles, parce qu'il y en a d'autres. La question est un peu la définition d'un barrage. Est-ce qu'on est dans une barrage qui fait, où est-ce qu'on peut vraiment réguler le niveau d'eau, ou c'est plus des seuils qui font une réduction du passage de l'eau? Donc, il faut faire attention, il faut vraiment aller voir la définition, comment que les barrages fonctionnent. Si on regarde les trois principaux barrages sur la rivière Saint-Charles et leur fonction, c'est que la principale barrage de la rivière Saint-Charles, c'est le barrage Cyril-Delage, qui est le barrage vraiment à l'exutoire du lac Saint-Charles. Qu'on avait construit le premier barrage dans les années, au début du 20e siècle, pour rehausser le lac de 1,5 mètre, parce qu'il y avait une surconsommation d'eau en ville, notamment par les industries. Donc, on a décidé de créer un premier barrage pour avoir une réserve d'eau potable. Ensuite, avec la demande grandissante, on a construit un deuxième barrage avec un rehaussement nouveau pour un total de 4,5 mètres dans les années 50. Ce barrage-là a été revu et reconstruit dans les années 2012-2013, mais sans rehausser de nouveau le barrage, tout simplement parce que si on rehaussait le barrage d'un autre cran, on allait avoir l'effet d'avoir inondé, exproprié les gens de manière assez importante parce que les maisons qui sont alentour du lac Saint-Charles présentement ne peuvent pas, on ne peut pas permettre un nouveau rehaussement de barrage. Donc, malgré ce que beaucoup de gens pensent, en 2012, on n'a pas rehaussé le barrage, on l'a juste reconstruit pour assurer sa stabilité et sa capacité de rétention en termes de rétention de poussée d'eau, plutôt la force qui est exercée sur le barrage, plutôt que de rehausser la capacité de réservoir. Donc, ce barrage-là sert de réguler le niveau d'eau du barrage quand on sait qu'il y a du lac. Quand on sait qu'il y a un grand coup d'eau qui arrive ou une fonte de neige, ben on va tenter de vider le lac un peu en amont. Donc, c'est pour ça qu'au printemps, on voit souvent le barrage, le niveau d'eau du barrage baisser de manière assez drastique dans une même journée. C'est pour permettre l'arrivée de la nouvelle eau et d'éviter les inondations en amont et de pouvoir en même temps aussi gérer, dès que l'eau est arrivée, d'éviter les inondations en aval. Et en été, la gestion du barrage est très fragile parce qu'on doit absolument s'assurer de prendre suffisamment d'eau pour alimenter la population, mais aussi pour garder, si possible, le débit écologique de la rivière Saint-Charles après le prélèvement à la prise d'eau. Donc, c'est pour ça que c'était très crucial que la population réponde à l'appel de réduction d'eau potable cet été pour qu'on conserve cet équilibre, ce qui est une réussite, mais la recommandation, c'est que de manière générale, il y aurait intérêt de manière générale de réduire notre consommation en eau.
Donc ça, c'est le premier barrage. Le deuxième barrage sur la liste, c'est le barrage de Château d'Eau, qui est vraiment, à toute fin pratique, un seuil qui permet à l'usine de traitement d'eau potable, ici, à prélever l'eau à partir d'une petite, si on veut, rétention, sans parler de vraiment un très grand barrage supplémentaire. Ensuite, on a un barrage qui est très important, c'est le barrage Joseph-Samson. C'est un barrage construit dans les années 60 parce que les eaux des marées du fleuve Saint-Laurent remontent naturellement dans la rivière Saint-Charles. Mais étant donné que les gens se sont construits trop près de la rivière Saint-Charles, que le développement humain s'est fait trop près, les eaux qui arrivaient d'en haut de la rivière, en même temps qu'il y avait des situations de marée haute, l'eau rentrait dans les maisons, dans la basse ville. Donc, on a construit le barrage Joseph-Samson pour éviter les inondations dues à un événement concomitant de marée haute et de grandes pluies. Le problème qu'on a aujourd'hui avec le barrage Samson, c'est qu'il y a une énorme accumulation de sédiments et des sédiments aussi de très mauvaise qualité qui se retrouvent au barrage Samson. Donc, la Ville de Québec travaille très fort pour améliorer la gestion de ce barrage-là, de pouvoir laisser aller nettoyer les sédiments, laisser aller l'eau. C'est un complexe problème qui vaudrait la peine qu'on fasse ultimement une présentation supplémentaire par la Ville de Québec sur le sujet. Mais ce n'est pas les seuls barrages, donc il y en a d'autres barrages. Puis je vous invite vraiment d'aller voir, on a mis l'hyperlien dans la carte narrative, c'est d'aller vers le site du gouvernement du Québec sur l'ensemble des barrages qui sont sur le territoire. Vous allez être très, très surpris de la quantité de barrages qui existent sur le territoire. Et ce qu'il faut aussi savoir, puis ça c'est une particularité, peut-être du Canada, je ne sais pas, mais que les barrages ne sont pas tous du domaine public. Il y a énormément de barrages privés aussi. Donc, ça devient très difficile de gérer l'amont et l'aval quand on regarde l'ensemble des barrages qu'on peut retrouver sur le territoire. Si on regarde maintenant la qualité de l'eau, comme vous le savez certainement, Agiro a mis en place en 2010 un très grand programme de suivi de la qualité d'eau de l'ensemble des lacs et rivières du bassin versant de la rivière Saint-Charles, qui a été mis en place suite à une étude très approfondie en 2000, de l'étude limnologique du haut bassin de 2007 à 2009. Le tout est financé par la Ville de Québec, mais nous permettent depuis plus que 10 ans de savoir qu'est-ce qu'il y en est de la qualité de l'eau dans le bassin versant. En fait, mis à part l'augmentation des sels de voirie qu'on observe dans tous les cours d'eau, il y a quand même aussi des bonnes nouvelles. De manière générale, on a pu, en amont de la prise d'eau, améliorer la qualité bactériologique de la rivière Saint-Charles. Parce qu'on a travaillé très fort sur la réparation des égouts croisés, donc les maisons qui étaient connectées à l'égout plutôt que au réseau pluvial, excusez-moi, plutôt qu'à l'égout. Il y avait aussi des ouvrages de surverse qui ont été ajustés, réparés, des postes de pompage. Donc, de manière générale, en amont de l'usine de traitement de l'eau de Québec, on a une qualité de l'eau relativement bonne pour presque tous les paramètres. Là où ce qu'on a un peu plus d'inquiétude, je vous dirais, par rapport à, vous voyez les points selon ce que j'avance, les paramètres de qualité d'eau sur la carte narrative, les points restent bleus. Donc, ça reste relativement bon partout, mais à partir du moment que j'arrive dans la conductivité, qui sont la quantité dissoute des sels, c'est là que ça commence à être plus inquiétant. Parce que là, on voit carrément que les sels augmentent à partir du lac Saint-Charles de manière significative jusqu'à l'UTA de Québec, et ça par rapport aux apports de toutes les rivières latérales. J'en ai parlé un peu tout à l'heure,
L'impact ici, c'est vraiment multiple parce qu'on ne peut pas traiter les sels sans travailler avec avoir une désalinisation. On n'est pas rendu à ces seuils-là dans la rivière Saint-Charles, mais il y a des lacs comme le lac Clément qui dépassent déjà les seuils de traitabilité de l'eau par rapport à la quantité de sel qu'on s'y trouve. Pour l'instant, on a encore un certain effet de dilution, mais le problème est là. Mais l'autre problème qui vient avec cette salinisation, c'est vraiment que c'est très, très corrosif et ça affecte l'ensemble du réseau de distribution de la Ville de Québec, tout comme l'usine de traitement d'eau potable. Et l'élément qui vient de plus en plus, je vous dirais, inquiétant par rapport à la qualité de l'eau de base, c'est les questions sur les contaminants d'intérêt émergent. Donc, on parle de tous les produits pharmaceutiques qui se retrouvent dans les rejets d'eau usée, les produits qu'on utilise aussi pour les soins corporels, les produits qu'on utilise pour nos gazons, les herbicides, les pesticides, tout ça, ça devient des mélanges excessivement, je vous dirais, avec un haut potentiel de transformation de produits vers des nouveaux produits qui sont mal connus puis qu'on n'est même pas capable d'aller détecter. Puis, étant donné que dans ce bassin versant-là de la rivière Saint-Charles, si vous allez retourner, quand vous allez explorer cette carte en détail, vous allez voir d'où viennent tous ces contaminants d'intérêt émergent potentiellement. Je vais vous en donner une couple d'indices. Un, c'est qu'on a deux usines de traitement d'eau usée à étang aéré en amont du lac Saint-Charles. Une qui dessert la ville de Lac-de-Lage, l'autre qui dessert la municipalité, les Cantons Unis de Stoneham et Tewksbury. Et on a dans l'ensemble du bassin versant de la prise d'eau, inclusivement sur le territoire de la ville de Québec et Lac-Beauport, on a aussi environ 5 000 installations septiques autonomes qui sont en plus bien souvent dans les zones avec un très grand potentiel de risque d'inondation. Donc, on a ces cartes ici qui nous permettent de voir un peu quelles sont les zones qui sont régulièrement inondées. Puis quand je parle de régulièrement inondées, on parle de le secteur de Val-Bélair, si vous allez voir dans les médias, ça arrive quasiment à toutes les années qu'il va y avoir une inondation plus ou moins importante. La même chose pour tout ce qui est en aval du lac Saint-Charles jusqu'à la prise d'eau, puis évidemment aussi en aval. Et ça vient vraiment carrément du fait qu'on continue à imperméabiliser. Et plus qu'on imperméabilise, il faut vraiment se rendre compte, il faut vraiment garder en tête que à chaque fois qu'on construit un nouveau terrain, un nouveau développement, on imperméabilise et on risque d'augmenter la zone inondable. Donc, si on regarde ici, c'est un secteur qui est régulièrement inondé. C'est de la confluence du ruisseau Savard à Val-Bélair avec la rivière Nelson. C'est un secteur qui est connu pour ses inondations. On a développé énormément tout le centre industriel, tous ces secteurs ici. C'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps des secteurs boisés et qui ont été complètement déboisés. Et ça va certainement augmenter au risque d'inondation. Mais ça, c'est juste un exemple parmi beaucoup, beaucoup d'exemples. Puis c'est pas juste parce qu'on développe à proximité de la rivière qu'on augmente les risques d'inondation, mais on l'augmente aussi autant si on développe ailleurs dans le bassin versant. Donc ça, c'est vraiment important qu'on garde ça en tête. Donc il faut vraiment revoir un peu notre façon aussi de gérer nos terrains individuels avant d'y arriver par cette implication personnelle sur laquelle qu'on peut travailler. Je vais quand même aussi vous montrer rapidement les activités récréatives parce que, ultimement, préserver la qualité de l'eau potable, c'est une chose, mais vous l'avez vu dans la pandémie, puis ça me rend heureux quand je le vois, c'est le nombre de personnes qui profitent du plan d'eau, qui l'utilisent avec des sports de contact secondaires non motorisés. Dans tout respect de l'environnement, qui s'amusent, qui veulent être dans l'eau, ils veulent être proches de l'eau.
c'est d'apprécier la nature, c'est d'y avoir accès à partir de différents sites, que ce soit les marais du Nord, que ce soit via le parc linéaire, que ce soit via canaux légarés et tous les autres lieux d'accès. Je pense que il faut donner accès à la rivière, il faut que vous en profitez parce que la rivière nous appartient à nous tous, mais il faut aussi justement s'assurer qu'elle reste accessible à tous parce qu'on sait aussi qu'en aval de la prise d'eau, la qualité d'eau de la rivière se détériore de manière très importante. On n'a pas encore tout réglé les problèmes de qualité d'eau en aval, mais il y a plusieurs façons pour y arriver. Donc, là où on agit ensemble, c'est que on veut avoir une meilleure gestion des eaux pluviales, c'est-à-dire qu'on veut réduire le risque d'inondation, viser l'infiltration des eaux. On veut contrôler l'épandage des sels de voirie. Il y a de plus en plus de routes blanches, mais c'est aussi, mettons, sur un plan personnel, de faire attention sur les sels qu'on met sur nos cours l'été, de ne pas utiliser les piscines à sel. Les spas aussi, des fois, sont déversés directement dans les cours d'eau. Donc, tout type de sel qui est utilisé, même sur le plan individuel, va avoir un effet. Les gens, souvent, les villes vont mettre davantage de sel de ce qu'ils sont obligés de mettre parce que les gens portent plainte pour un manque de déneigement. Mais il y a une différence entre le déneigement puis l'application des sels. On n'est pas obligé d'être sur l'asphalte. Autrement dit, si les citoyens adhèrent à des routes blanches, des écoroutes, et qu'ils poussent dans cette direction-là, les villes vont être plus prêtes à aller de l'avant, à instaurer de plus en plus de routes blanches. On doit aussi continuer les efforts sur les suivis des rejets d'eau usée domestique. Donc, autrement dit, il faut pas dans un contexte de développement urbain. De ne pas développer sur installation septique autonome, parce qu'on a plusieurs cas dans le bassin versant où ce que des quartiers en entier, et ça dans toutes les municipalités confondues, il y a des développements entiers sur installation septique autonome. Donc ça, on perd littéralement le contrôle sur la gestion des eaux usées et on vise à raccorder les usines de traitement d'eau usée dont je vous ai parlé tout à l'heure aussi au réseau de la ville de Québec avec un traitement plutôt sophistiqué à la fin. On doit absolument limiter, mais vraiment absolument limiter l'imperméabilisation des sols et la construction dans le bassin versant. Et ce que vous pouvez faire sur le plan individuel, c'est que si vos terrains, c'est des grandes, vastes zones gazonnées, faites du reboisement, remettez la nature. Il y a beaucoup de façons de faire pour réduire la réduction, l'imperméabilité des sols sur un plan individuel. Si vous faites l'exercice à regarder maintenant votre territoire, votre terrain avec d'autres yeux et que vous voyez qu'il y a des grandes surfaces gazonnées qui ne servent pas à une table de pique-nique ou qui ne servent pas pour jouer au soccer pour vos enfants, pensez-y d'y mettre des arbres. Ça va contribuer de manière très significative à la longue pour réduire le ruissellement et de conserver l'eau dans le bassin versant et la nature, les arbres, toutes ces réserves d'eau qu'on sous-estime vont pouvoir redonner l'eau à l'environnement au moment qu'on est en période de sécheresse, en plus de donner toute la fraîcheur qu'on a besoin. Donc, on veut reboiser au maximum le territoire, mais là, on n'a pas le choix de passer de manière très individuelle. Et vous êtes capable de faire une très, très grande part de la chose en réduction de votre consommation, en reboisant et en utilisant au minimum des herbicides et des pesticides. Dites-vous une chose, si vous mettez moins d'herbicides et pesticides, vous avez besoin de moins passer la tondeuse et de profiter plus de votre territoire et aller sur le bord de la rivière Saint-Charles de vos fins de semaine. On a également aussi, depuis des années, des activités de nettoyage bénévole des berges, restauration des terrains riverains, des programmes de végétalisation des rives. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez vous impliquer chez vous de manière communautaire, n'hésitez surtout pas à nous contacter chez Agiro. Ça va nous faire un plaisir
de vous répondre. Donc, merci beaucoup à tous les auteurs de contributeurs à cette story map et merci à vous pour votre présence. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Pour l'instant, je ne vois pas de questions-commentaires. Je me demande si, parce qu'il n'y en a pas, j'étais trop claire. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas d'envoyer les questions même par après. Ça va nous faire plaisir de répondre. En attendant que peut-être quelqu'un d'autre pose une question, j'ai aussi le plaisir de vous annoncer que nous allons vous faire une présentation la semaine prochaine avec sur la rivière Nelson dans le secteur de Val-Bélair. C'est annoncé également sur notre site web et cette présentation, à moins qu'il y ait des problèmes techniques comme la dernière fois, excusez-moi, ce n'est pas la semaine prochaine, je me trompe de mois. C'est la rivière Nelson le 19 octobre à midi qui aura lieu la présentation sur la rivière Nelson. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de questions, je vais terminer. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre écoute. N'hésitez pas à le partager. Cette présentation va être diffusée sur le site d'Agiro. Et en tous les cas, on va également vous donner accès à la carte narrative sous peu pour que vous puissiez l'explorer par vous-même. J'ai fait un peu exprès de ne pas tout divulguer ce que vous trouvez sur la carte narrative, mais de plutôt vous donner davantage de contexte alentour. Donc, merci beaucoup. À bientôt.